Yo les gens, c'est The Phoenix, aujourd'hui on se retrouve sur The Wheeler Zombie 2. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un jeu où je vais tester ce jeu parce que graphiquement parlant, voilà, c'est un peu jeu de survie de toute façon. Super. Puis il a poussé en 5 minutes, là, le gamin, ou comment ça se déroule, là? Super. Ok. Eh ben dis donc, désolé, j'ai pas parlé. Donc oui, j'étais en train de dire que voilà, c'est un jeu de zombies. Donc on doit survivre, j'imagine, à une apocalypse. Et donc on doit, je sais pas trop quoi faire. Donc c'est parti pour ce petit jeu. Donc 20 ans après, donc j'imagine qu'on doit jouer l'enfant. Donc je vous laisse un peu regarder comme ça. Bah dis donc, drôle d'élu quand même, il a moitié pété. Ah, c'est moi en plus! Oh putain! Je joue un alcoolique, ah, super! Alcoolique, c'est. Alcool, c'est pas bon, attention, hein, les gens. Hein. Joyeux 20e anniversaire, alors comment te sens-tu? J'étais juste là. J'ai juste un cover. Bon, je veux de l'action là. Pas de problème. Franck, il y a une arme pour toi, je m'en occupe. Ok. Alors, une STG 444. J'ai pas de temps pour. J'ai une M1 40.
Je prends une là. Ok. Ok, le sac. Allez. Ah, c'est même pas toi qui va te balader en extérieur? Oh, c'est nul. Bon, déjà, on joue déjà un Gugus un peu mieux. J'espère qu'on pourra améliorer au moins le camp. Hop. Mais il n'y a même pas un truc de visée en fait. S'il n'y a pas d'action comme ça. J'imagine qu'on doit s'améliorer au fil du temps, donc je pense qu'il y aura plein de trucs à récupérer, des. C'est un peu comme un jeu de zombies ordinaire. Peut-être terminer. Continuer. On va récupérer les quêtes. Salut, bonjour, comment ça va? Complète à l'époque. Ah mince! Il faut déjà que je fasse la mission de l'autre de Franck. Donc, par contre. Toc, toc. Allez, c'est parti. On rentre. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification comme d'habitude. Retour en ville. Ouais, ça a l'air sympa comme jeu. Franchement, pour un mini-jeu, il est pas mal. Bah, mini-jeu, non, c'est pas vraiment un mini-jeu, c'est un jeu de survie. J'espère qu'on pourra quand même aller
dans des autres zones que celle-là, parce que bon. Boris. Boris sans ses jambes. Oh là, pourquoi tes ressources? Bon, je suis allé lui faire. Super. Putain, non. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, récupérer. Niveau 2. Compétences. Okay, d'accord. Ouais, d'accord. Ah oui, vieille maison. Ok. J'étais en train de me dire pourquoi j'ai pas une mission. Si, il y a une mission. Donc, toc, toc, toc. Allez, c'est parti. On entend déjà des zombies, même pas arrivés, on entend déjà des zombies. Plein tête. Ouh, il y a un coffre. On peut pas le fouiller le coffre, ah c'est dommage, c'est pour les missions.
Ah, c'est dommage. Ah, par contre, s'il y a des pubs à chaque machin, ça va être chiant. Ah, s'il y a la croix encore, ça peut aller, mais... Et on peut pas déposer les ressources là? D'accord, ok. Toc. Oui, c'est vrai. Pour sortir, alors on va aller à la vieille maison. Puis on ira à la petite forêt après. Comme ça, on fera un triangle. Puis on s'arrêtera. Ou on s'arrête là, les amis. Et parce que tout compte fait, j'ai plus de capacité. Donc on va s'arrêter là. Donc à la prochaine, les gens. C'était The Phoenix. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification. Et zou, c'était The Phoenix.